Et salut à tous les amis, c'est Rouro945, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 6 sur Jedi Survivor. Nous sommes sur la planète Kebo. On a un petit peu arpenté les environs et on est arrivé donc au village. Notre objectif va être de trouver Riz, donc c'est ce qu'on va aller faire dans cette vidéo. Et je pense que, bien suivant comment ça va se passer, on essaiera d'explorer un peu plus la planète. Donc voilà, et on va espérer s'en sortir au niveau des combats, etc. Parce que ça commence à devenir un petit peu chaud. Alors l'établi, là on s'en fout un petit peu. On va donc entrer carrément... On y est presque. Avant-poste de la vallée du Vagabond. Ça faisait un bail. Peut-être qui sait où se trouvent les autres maintenant. Serré et bloqué dans le passé. Et Mérine en errance. C'est de l'histoire ancienne. Ok. Et avant de commencer réellement la vidéo, eh bien je vous invite les amis à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et l'objectif jusqu'à la fin de l'année, ou en tout cas avant la fin de l'année si possible, c'est d'atteindre la barre des 200 abonnés les amis. Donc il nous reste entre guillemets voilà, une petite dernière ligne droite pour atteindre l'objectif. Donc n'hésitez pas. Voilà, à partager la vidéo, à laisser les petits pouces bleus, les petits commentaires, ça aide pour que les vidéos soient le plus visibles possible et pour qu'elles puissent toucher un plus large, une plus large plage de personnes. Voilà. Alors, on va aller voir un petit peu. Ouais, donc il faut juste un petit peu avancer. Très bien. Alors, apparemment, Grise. S'occupe d'une cantina. Bon, on peut pas entrer dans les habitations, ou du moins peut-être pas tout de suite. C'est qui l'étranger? Il a pas l'air d'un pillard selon moi. Vite, prends l'air innocent. Du calme, on ne veut pas créer d'ennui. Où est la cantina? C'est par là, le nouveau. Oh, vous pouvez pas la rater. Qu'est-ce que tu veux? Salut le trouble-fête. T'as une tête un petit peu bizarre, toi. Bon, je suppose que la cantina, ça doit être ça, non? Oh, une grenouille. Ah. Tu pensais pouvoir nous arnaquer? C'était juste un tout petit malentendu. Torgel. Lâchez-le. Oh. Ça. C'est hors de question. Cette chose nous a vendu une relique hors de prix. La clé qu'on cherche depuis longtemps. Sauf que, bien sûr, c'est une faute. Je croyais que c'était la vraie, Révis, promis. Oh. Je te crois. Mais je ne peux pas tolérer des erreurs pareilles. Prenez ça comme un avertissement. Voilà ce qui arrive quand on contrarie les pillards là-haut. Tuez-le. Ah, ça suffit. Partez. Un Jedi. Rappelle à notre ami pourquoi son espèce est censée avoir disparu. Oh.
Je ne peux pas fuir. Ah. BD, ici. C'est fini. Non mais d'accord. Où est-ce qu'elle est ma plage d'attaque? Pourquoi tu continues? On va passer en double lame. Je t'aurai. Ça fait mal. Tiens. Mauvaise idée. Prends ça. On ne fait que commencer. Essaie un peu de m'avoir là-haut. Même pas mal. La prochaine fois que tu veux te battre, viens nous trouver. Quel plaisir de voir un Jedi en pleine action après toutes ces années. Noble chevalier Jedi, si tu retiens ta main, je me retirerai en paix. On se reverra. C'est lui, Thomas. Et celui qui a tenu tête au pillard du chaos. Bon, ça suffit, Turgel. Turgel, viens par ici. Eh oui. C'est vous, Doma? Oui, c'est moi. Tu as un nom, Jedi? Moi, c'est Cal. Et voici BD1. J'apprécierais si vous pouviez garder ça secret. Ici, à la frontière, le seul moyen de survivre, c'est de se serrer les coudes. Et bien dit! Rien ne t'obligeait à intervenir, et pourtant tu l'as fait. Oui, tu l'as fait! Turgel, tais-toi. Oui. On ne révélera pas ton secret. Cal. Ça nous est bénéfique à tous les deux. Merci. Très bien. Les prospecteurs de Kobo. Zeke Victor. Très bien. Je t'en prie. Et cette technique de combat, incroyable! Où est-ce que t'as appris ça? Je croyais qu'on avait dit qu'on n'en parlerait pas. Ah, oui, c'est vrai, pardon. Mais tu pourrais pas m'apprendre quelques tours un de ces jours? Je voudrais pas que tu te fasses mal. Oh, mais dommage, dis que c'est ce que je fais le mieux. Oublie pas de repasser à la boutique plus tard. Promis. Oh, ok, c'est une marchande. Monk. Et si c'est pas temps. Ils sont là. Et si c'est un blaster qui te fait mourir, t'as intérêt à dégarpir. Viens au pylon boire un coup et repasse vite pour faire coucou. Le Piloun Saloon. Oh, un client potentiel. Qu'est-ce que je te sais? Moi, rien. Merci. Oh, c'est bien dommage. Je cherche un vieil ami. Quatre bras. Poilu, pas discret. Et relativement petit. Tu peux sortir maintenant, la voie est libre. Moi je te le dis, Monk, ces pillards du chaos vont foutre en l'air ce patelin. On n'a aucun espoir, que dalle, zéro, nada. Ça roule, BD? Attends. Oh, Cal. Cal Kestis, ramène-toi, nom d'un petit bogling. Oh, ça faisait longtemps. Tu m'as manqué, gamin. Salut. Laisse-moi te regarder. Oh, t'as une sale tronche? Content de te revoir aussi, Grise. Tu prends bien soin de lui, j'espère. Tu entretiens bien le Mantis. Oh,
Disons qu'on a eu des ennuis lors de la dernière mission. Quel genre d'ennuis? Le genre impérial. Non, j'aurais dû m'en douter. Il traîne aussi autour de Kobo ces temps-ci. Le Giro du Mantis est calciné. On aura besoin de ton aide pour repartir. Mais bien sûr, tout ce que tu veux. Je t'en prie, prends-toi un tabouret. Et Monk, sers à mon ami une boisson dont t'as le secret. Un rafraîchissement. Je t'apporte un Monk sournois, tout de suite. Sois le bienvenu au Pailoon Saloon, la meilleure cantina de ce côté de Zeltros. Ouais, ta description ne rendait pas justice. Et voilà, à la tienne. Avec Monk, on l'a repris à l'ancien proprio, parce que... Eh ben, il est mort empoisonné par Blaster à coup des pillards du chaos, si tu vois ce que je veux dire. J'ai eu affaire à eux. T'es sûr que ça va, Gris? Ah ouais, ça va. Tant que j'ai pas un truc qui leur fait envie. Eh, qu'est-ce que t'es arrivé au Mantis? Oh, on était sur Coruscant. On récupérait des infos pour Saw Gerrera. Ça a dérapé. On n'est que deux à avoir survécu. J'ai l'impression de servir à rien. L'Empire devient de plus en plus fort. Depuis que... l'équipe s'est séparée, c'est plus pareil. Ouais, c'est vrai qu'on a passé de bons moments, hein. Toi, moi, la sorcière, Serré. T'as eu ces nouvelles récemment? Merine a tout le temps la bougeotte. Elle explore la galaxie et se fait de nouveaux amis. Je parlais de Serré. Non. Ça fait un bail. Et toi? Ah, grâce à ses crédits, on a relancé les affaires ici, mais on attend encore sa visite. Elle doit être occupée avec son nouveau projet. Hé, Cal. Pourquoi tu te reposerais pas un peu avant qu'on répare le Mantis? La galaxie peut bien attendre quelques heures. On devra sans doute reprendre la route dès qu'on aura terminé. J'ai une chambre de libre au sous-sol que j'ai bichonnée spécialement pour toi. Tu devrais aller y jeter un œil. D'accord. Merci, Gris. Assieds-toi, trophée obtenu. Très bien. Bon, où est cette chambre déjà? La chambre? Oh, gamin, tu vas l'adorer. Prends à droite après le bar, tu passes la cuisine et c'est en bas des escaliers. Tu peux pas la rater. D'accord. Merci encore, Gris. Tu peux me remercier en allant faire un somme. T'as vraiment une mine affreuse. Il doit pas y avoir beaucoup de clients par ici. T'as pas l'air d'un pillard? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Pas de blaster sous mon nez, pas de bouteille renversée, ni de cri de guerre. Oh, et un droïde mignon. Voici BD1. Moi, c'est Cal. Il était temps qu'on ait de nouveaux visages en ville. Au fait, moi, c'est Zig. Ravi de te rencontrer. Tu travailles ici depuis longtemps? Un certain temps, mais c'est pas ce que j'appelle du travail. Pour ça, il faudrait qu'on ait des clients réguliers. Dommage. Cet endroit a du potentiel. C'est ce que j'arrête pas de me dire, l'ami. Mais bon... pourquoi tu vas pas au sous-sol voir ta nouvelle chambre? On parlera quand tu te seras reposé. Passe ton chemin, petit. Ok, comme tu veux. Cette scène a vu des jours meilleurs. Bon, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Il y a un problème? Je jurerais t'avoir entendu t'occuper d'un problème de pillard, juste là, dehors. J'ai pas provoqué cette bagarre. Visiblement, c'est toi qui l'as fini. Impossible que ce truc soit aux normes. Même ici, dans la bordure extérieure. Ça, c'est la cuisine. La cave doit être par là. Kobo est loin de la route commerciale la plus proche. Gris en profite pour faire de la récupération. Gris a toujours eu la main verte. Tu sais qui parle aux plantes? De nouveaux personnages et de nouvelles conversations sont désormais disponibles au Pailoon Saloon sur Kobo. Ok, donc ça, je suppose que c'est un établi. Très bien. Tac, 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 ok.
On peut se détendre. Si on se détend, est-ce qu'on regagne... Est-ce qu'on regagne la santé ? Tu causes toujours en dormant, hein ? Il y a des choses qui changeront jamais. Cinglé. Boule de poil. Ah. C'est sympa de m'accueillir. Pas de quoi ? Pourquoi tu crois que j'ai gardé tes affaires pendant tout ce temps ? Parce que j'espérais que tu passerais pour te reposer un peu. On sait bien ce qui se passe quand je reste trop longtemps quelque part. Alors comme ça, je peux trouver un gyro par ici ? On a largement le temps pour réparer le Mantis. J'aimerais qu'on parle un peu de toi. Je vais bien. Plus vite on part, mieux ça vaut. Et ensuite, tu vas aller avec Saw Gerrera t'attirer des ennuis ? Possible. Ouais, je compte bien continuer à me battre. C'est marrant, t'as dit exactement la même chose le jour où on est parti chacun de son côté. Oui, parce que je... Écoute. Je sais que vous aviez tous vos raisons de partir. Mais baisser les bras, c'est pas une option pour moi. Il faut que je m'accroche. Et où est-ce que ça t'a mené, Cal ? J'aimerais que les choses soient différentes, mais... Tu perds encore des compagnons, et puis t'as dit toi-même que l'Empire gagnait en puissance jour après jour. Il est peut-être temps pour toi d'être un peu plus qu'un simple sabre laser. Sois plus égoïste, pose-toi, trouve un foyer. Mais quel foyer, Grise ? J'en ai plus de foyer. Mon foyer, c'était l'Ordre, mon maître et tous ceux qui ont disparu. À quoi servira leur sacrifice si je me contente d'abandonner et de fermer les yeux ? Je sais que la chance t'a pas souri, mais vraiment, tu devrais m'écouter. La vie n'a pas non plus été tendre avec moi. Quand la partie est truquée, il faut savoir quand se coucher. Sinon, tu vas finir par perdre quelque chose que tu pourras jamais remplacer. Je vais te montrer un truc. C'est un tunnel de contrebande. Il était déjà là quand j'ai eu la cantina. Vas-y, jette un coup d'œil. Je garde des pièces de rechange là-dedans. Je suis sûr que tu trouveras tout ce qu'il faut pour réparer le Mantis. Merci. J'apprécie le geste. Cal, il faut que je te dise une chose. Ça me fait vraiment plaisir de te revoir. Moi aussi. Et Grise, je tâcherai d'y réfléchir. Et regarde où tu mets les pieds quand tu descends. Il doit y avoir des parasites en bas. Fais attention. Nouvelle quête. Ah. Attends. Qu'est-ce que le Alix 7 de Serré fait ici ? Je sais pas. Quand on s'est séparés, je défaisais mon sac. Et c'était là. Elle espérait peut-être que t'apprendrais. Ah, non, merci. Dedans. La vieille tenue de ferrailleur. Oh ! Pourquoi Grise a gardé ça ? Ouais, c'est flippant. Alors, oui. Attendez. Est-ce qu'on peut aller dans... personnalisation. On peut personnaliser Cal. Ferrailleur, barbe complète. Ah, on peut faire soit les cheveux, soit la barbe, soit la veste. Ok.
Bon, pour le moment, on va rien faire, mais ça sera un truc à voir. Bon, allez, trouvez ce gyro, dépêchez-vous, soyez prudents et toutes les petites choses que je vous disais déjà. Désolé. Allez, on débloque ce truc là. On se repose. Le point de compétence, on va le garder parce qu'il y en a qui coûtent 2 voire 3 si c'est pas plus. Tunnel et contrebandier. Le tunnel clandestin, hein. Grise a toujours eu plus d'un tour dans son sac. Qu'est-ce que c'est ? Sans issue. Pareil. Oh. Aïe. Ah d'accord. Des Bogling. C'est eux qui ont effrayé Grise ? Tout va bien, mon pote. Tu fiches la frousse à Grise quand il descend ici ? Tout va bien. Pouvez-vous caresser les Bogling ? Ok. Je vois pas trop à quoi ça servait ce trophée, mais ok. Hop. Ah, bien joué. Ici on a un truc. Ok, ça donne un point de compétence. Personne n'a emprunté ces tunnels depuis un moment. Poussiéreux et abandonné. Encore de la ferraille, hein? C'est bien Grise, ça. Récupérer des trucs de quelqu'un et y rajouter d'autres trucs. C'est sûr. Je porte le bruit de l'autre côté. C'est ça? Thank you.
avant de sauter, hein. Plus vite on trouvera Grise, plus vite on devrait aller voir ça. Ah. Trouver le module du gyro. Apporter le module du gyro à Grise. Ok, bon, bah écoutez les amis, vous savez quoi, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Je me concentre. Voilà, on va... ouais, éventuellement, on peut se reposer, on va aller voir les compétences. Alors, là, on a plus ou moins, on peut déjà tout débloquer. Ouais, ça peut être pas mal ça. On va prendre ça. Il nous reste un point de compétence. Ok les amis, bon, allez, on va s'arrêter ici pour cette vidéo et on va eh bien explorer ce passage effondré dans la prochaine. Allez BD. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez au petit pouce bleu, au petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très très bientôt pour la suite. Salut.